Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis ici avec notre conseiller Hugo Lajoie, qui est également maire suppléant et responsable des mandats loisirs. Et vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Donc, hier soir, séance du 2 juillet 2024, encore de belles résolutions, mais la plus importante selon moi, c'est le dépôt du rapport de l'audit financier qui a été fait par la firme externe Gariepy Bussière, qui vient encore une fois confirmer la saine gestion financière de la municipalité. Pour avoir plus de détails, le tout va être en ligne. Il va être publié sur notre site internet au lachute.ca ou n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de la TVC également pour revoir la séance quand je viens faire une explication des états financiers. Également, on a adopté une résolution pour permettre aux commerçants de la rue principale de faire de l'étalage au centre-ville. Donc, on encourage fortement pour la saison estivale à tous les commerçants du centre-ville à démontrer leurs produits au centre-ville qui va venir créer un attrait. Vous savez, beaucoup de marcheurs, on aime ça, c'est une demande connue dans les années passées, et bien on vient l'autoriser pour la saison estivale. Alors maintenant, Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, trois faits saillants ce mois-ci pour les activités de culture, loisirs, vie communautaire. Mais écoutez, ce jeudi, vous allez avoir sur la rue principale le fameux 5 à 7, nos 5 à 7 estivales. Alors, on vous encourage à aller sur la rue principale. Il va y avoir évidemment de la musique, de l'ambiance. Alors, c'est très important d'aller encourager également nos commerçants. Nous avons aussi l'exposition agricole de la chute le 11, 12, 13, 14 juillet prochain. Alors, évidemment, on n'a pas besoin de vous expliquer en long en large ce que c'est que l'exposition agricole. Vous connaissez ce grand événement. Alors, et aussi, fait saillant, nous avons adopté une résolution pour que la ville de la chute octroie 150 billets à des organismes communautaires de la chute pour qu'ils puissent distribuer des passes d'accès gratuites sur le site. Alors, c'est quelque chose de très important pour le conseil municipal, pour le maire, pour l'administration, de permettre à des familles moins bien financièrement de pouvoir profiter de l'exposition agricole. Donc, 11, 12, 13 et 14. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence la chute en fête qui se tiendra les 19 et 20 19 juillet. Et 20 juillet, et voilà, j'avais un blanc. 19 et 20 juillet, ici même au Parc Baron de la Chute. Alors, pour tous les détails, évidemment, vous pouvez aller voir le site Internet et la page Facebook de la ville de la Chute. Mais si vous pouviez juste prendre en note que ça sera Jonas le vendredi avec France d'Amour et samedi, c'est le grand Jonathan Roy qui sera en prestation. Évidemment, une multitude de spectacles et d'animations ici même au Parc Baron pour toute la famille. Merci, bonne journée. Merci.